Alors salut tout le monde, que la paix et la miséricorde soient sur vous, c'est Amel Bens qui vous parle. Alors je vous remercie beaucoup pour uh, la vidéo uh, que j'ai éditée uh, trois jours avant uh, la fin de l'année 2016 uh, sur les prévisions pour 2017. Cette vidéo a eu beaucoup d'audience et suite à laquelle j'ai eu une avalanche d'abonnés. Je vous remercie tous mes abonnés, je vous remercie tous les gens qui s'intéressent à mes vidéos. Euh, énormément, ces gens viennent de tous les horizons, de l'Algérie, du Maghreb, du Maroc, de la Tunisie, de la France, de Belgique, de plusieurs pays en tout cas comme je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui pratique donc cette science, mais je suis quelqu'un qui est passionné par la lecture. je lis beaucoup sur l'eschatologie musulmane et sur l'eschatologie chrétienne. Euh, donc, donc mes vidéos sont la synthèse, c'est vraiment le résumé de tout ce que j'avais lu euh, et croisé entre informations de diverses sources. Alors aujourd'hui, euh, nous allons nous, int nous intéresser euh, au livre saint, le Coran, notamment à une sourate, une sourate qui s'appelle La Lune. Et c'est une sourate euh, qui, qui m'a beaucoup intriguée. Euh, J'ai trouvé euh, des points communs entre cette sourate et ce qui va se passer en 2017. Alors, le savoir euh, ne vient pas de moi. Euh, je me suis instruite auprès euh, des gens qui sont spécialisés dans l'eschatologie musulmane. Donc moi je vous le tra transmets en français euh, pour le monde francophone euh, et euh, pour croire à, à, ces, à, ces, à ces idées il faut aussi euh, partir de l'idée euh, euh, fondamentale que le Coran est la parole de Dieu. Il suffit de voir le style, il suffit de voir les images qui frappe euh, l'esprit, c'est le livre de Dieu. Donc, c'est un livre, c'est un trésor euh, aux multiples merveilles. C'est un livre euh, rempli de symboles euh, qu'il faut déchiffrer, euh, déchiffrer euh, grâce à, euh, à plusieurs sciences. Euh, donc, il faut, il faut pratiquer plusieurs sciences pour déchiffrer euh, la parole de Dieu. Alors, pour déchiffrer euh, les symboles de la sorate de la lune, euh, je me suis appuyée sur la numérologie. Donc la numérologie n'est pas une science euh, déconseillée en islam. Euh, L'islam n'interdit pas la pratique de la numérologie. Euh, et la numérologie, c'est un, un exercice euh, mathématique euh, et qui nous permet de, de, de déchiffrer les symboles. Alors, la, la Sourate de la Lune commence, euh, commence par une phrase frappante qui veut dire l'heure approche et la Lune s'est fondue. Alors, donc la Sourate de la Lune euh, nous parle du début de la fin du monde, ça veut dire le, le commencement de la fin. Et il faut savoir aussi que la Sourate de la Lune compte 1438 lettres. Euh, et vous savez, le chiffre 1438 correspond à cette année, donc 1438 de l'Egyre, donc l'année du calendrier musulman. Donc, et l'année 1438 de l'Egyre correspond dans le calendrier chrétien grégorien à la date de 2017. Donc en fait, selon le calendrier chrétien, on est en 2017. Alors que selon le calendrier euh, musulman, on est 1438. Alors, d'où vient ce chiffre Comme je vous ai dit, cette surate euh, comporte 1438 lettres. Alors, il faut savoir aussi que la surate se place dans, le 27e, euh, dans la 27e partie du Coran. Donc, et le Coran, il y a des parties, des sous-parties. Donc, cette surate se trouve à la 27e partie. Et elle se place à la 54e place. Ça veut dire qu'elle est euh, dans l'ordre, elle est la sourate numéro 53. Excusez-moi, 54, 54. Alors, le chiffre 27, euh, comme vous le savez, c'est un chiffre euh, très euh, apprécié en islam. Euh, donc, on a dit au départ, euh, le 27 concerne la partie où se trouve la sourate. Donc, le chiffre 27, il peut... Euh, correspondre bien sûr à, à la 27e nuit euh, du mois de ramadan ce qu'on appelle la nuit du destin Laylatul qadr et euh, si vous prenez le chiffre 54 euh, et vous l'additionnez donc 5 plus 4 égale 9 et le chiffre 9 il est très important parce qu'il correspond au 9e mois du calendrier islamique à savoir le mois de ramadan donc, autrement dit, on, à, à travers donc, cette analyse numérologique, on se trouve avec une date, le 27e jour du mois de Ramadan de l'année 1438 de l'Égyra. Alors, dans le calendrier chrétien, cette date correspond au 21 juin 2017. Alors, le 21 juin 2017, que se passera-t-il Allahu alam. Mais euh, si je croise, euh, je croise les informations, on croise toutes les informations, si, si vous écoutez euh, un youtubeur qui s'appelle Rorschach, et c'est un youtubeur très connu, qui parle de l'eschatologie, de la fin du monde, euh, il s'appuie sur les prédictions de Baba Vanga, et sur Nostradamus, et... Euh, euh, Monsieur Rorschach, il dit qu'il qu y aurait un événement exceptionnel euh, au printemps 2017. Donc le 21 juin, on est donc c'est le, le, jour, le, le jour qui va qui va séparer le printemps de l'été. Hein. Donc on est euh, vers la fin du printemps 2017. Et si vous vous référez euh, aux prophéties de Baba Vanga. Euh, la période qui va de 2017 à 2025, c'est une période très trouble. Donc, euh, Baba Vanga euh, a prédit pour 2023 changement dans l'orbite de la Terre. Alors, mais, mais on ne sait pas ce que c'est euh, le changement dans l'orbite de la Terre jusqu'à présent. Est-ce que cet événement pourrait avoir un lien avec ce qui se passe sur la Lune Donc, euh, la fissure qui, va, qui a eu lieu dans, dans la Lune. Mais d'après les musulmans, cette fissure a déjà eu lieu depuis l'époque euh, de, du prophète, sallallahu wa sallam. Et euh, Baba Vanga dit qu'en 2025, l'Europe est quasiment dépeuplée. Alors là, ça veut dire ça, ça suppose qu'il qu y aurait euh, une catastrophe naturelle hein, énorme, planétaire. Donc, en fait, il y, aura, il y aura, je reste au conditionnel, il y aura un événement grave, hein, donc euh, au printemps 2017. Donc, le Coran nous transmet le message sous forme de chiffres. Euh, C'est un événement qui est grave pour toute l'humanité, mais il est très très grave pour les musulmans et les juifs. Alors, pourquoi les deux parce que l'année 2017 euh, correspond au 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et vous savez, le chiffre 70 est sacré. Le 7 est indivisible et annonce euh, un nouveau cycle. En effet, l'année 2017 correspond au 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et vous savez que le chiffre 70 est sacré, donc 7 plus 0 égale 7, et le 7 est indivisible et annonce un début d'un nouveau cycle. Donc c'est la date où les Juifs commenceront à construire le temple de Salomon, et cela ne peut démarrer qu'avec la destruction de la mosquée de l'Arsa. Euh, donc, à mon avis, c'est un événement qui, est dans leur agenda, est euh, euh, la fissure de la lune. Euh, pourrait annoncer du reste, je reste dans le conditionnel hein, pourrait annoncer le tremblement de terre qui fera tomber la mosquée et on ne sait pas si ce tremblement euh, sera naturel ou bien déclenché par des moyens technologiques alors si je me réfère à la sourate Al Esra euh, qui dit euh, entre les lignes que les juifs construiront le temple de Salomon pendant la deuxième période de leur désobéissance à Dieu euh, et euh, si je regarde, euh, si je croise les informations du Coran avec, euh, avec celles euh, euh, de l'économiste, donc les cartes de tarot divinitoires de l'économiste, euh, je vois la, le, la carte de la muraille qui se, qui se fissure en deux. Euh, suite à un tremblement de terre et un, un incendie euh, énorme euh, donc ça je peux croiser hein, je peux croiser euh, les deux euh, donc la muraille qui symbolise un, un monument historique qui va euh, s'effondrer euh, prochainement Et si vous observez la carte the world euh, de l'économiste vous voyez il y a euh, un immeuble au milieu, où il y a euh, le dôme, il y a le dôme derrière et devant l'équerre euh, du temple de David. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ce dôme euh, symbolise euh, la présence de l'Arsa et qui va être couvert, qui va être. Euh, donc, euh, l'équerre va être reconstruit. Euh, pour couvrir ce dôme, hein, pour remplacer ce dôme euh, de Al-Aqsa. Donc en fait, on trouve... Euh, alors ensuite, vous avez aussi sur la carte, euh, sur la carte euh, The World, vous avez euh, la pyramide qui couvre euh, l'Égypte et euh, presque euh, la, la, le Maghreb, sauf le Maroc. Et vous avez donc bien sûr la pyramide euh, symbolise euh, euh, la, la, la culture maçonnique, franc maçonnique. Et euh, vous avez euh, les vous avez euh, des masques, des masques de carnaval qui, euh, qui font le lien entre la pyramide et un tableau, un tableau où on trouve au milieu une lune. Donc la lune. Vous voyez, vous voyez bien qu'il y a euh, en fait euh, la lune dans le tableau, sur le tableau, et vous avez encore euh, donc euh, une lune ou bien un soleil qui est euh, en haut euh, de la carte, au milieu de la carte. Euh, alors, comment interpréter les masques Les masques, c'est euh, en rapport avec le Carnaval, et vous savez, le Carnaval annonce le printemps. Donc carnaval, euh, donc ces masques euh, annoncent probablement le temps, les dates, la date hein, auquel va avoir lieu cet événement. Euh, donc les masques annoncent le printemps, le printemps 2017. Hein, parce que carnaval, c'est la fin de l'hiver hein, et le commencement du printemps. Ensuite, la lune euh, dont parle le Coran, elle est au milieu de ce tableau. Qui se trouve au centre de la carte The World. Euh, alors je ne sais pas comment l'interpréter, mais en tout cas c'est intrigant. Hein. Donc euh, je vous laisse euh, l'initiative pour interpréter euh, la présence de cette lune dans un tableau, et ce tableau qui prend la place centrale de la carte The World. voilà donc en fait euh, la lecture euh, de la sourate euh, la sourate euh, la lune et la lecture des cartes du tarot nous permettent de croiser les informations et euh, de les euh, confronter alors il faut savoir que euh, la, la sourate de la lune donc annonce euh, le début de la fin hein, le début euh, donc le commencement de la fin donc euh, l'année 2017 ouvre le compte à rebours le commencement de la fin et l'approche de la fin est marquée par un tremblement euh, par la fissure de la lune et le tremblement de la lune et vous savez que la lune euh, c'est elle qui régule l'équilibre de la planète et la nature donc le déséquilibre de la lune pourrait annoncer des catastrophes naturelles, euh, une guerre destructrice, une guerre qui pourrait anéantir les trois quarts de l'humanité. Et euh, la Sourate de la Lune, c'est une suite d'images d'escatologie, euh, de, donc d'images de la fin du monde. Alors, Sourate de la Lune, elle raconte l'histoire de Noé, euh, le déluge, euh, l'histoire de la destruction du peuple de Lot le peuple qui pratiquait la sodomie et le satanisme. Et bien sûr, cette, ce peuple nous rappelle certains peuples d'aujourd'hui. Alors, ces histoires sont euh, des paraboles, euh, ce sont des allusions à, à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde moderne, euh, car l'histoire se répète et l'être humain ne change pas. Euh, selon le Coran, l'être humain est fait de bien et de mal. Euh, en effet, euh, Dieu dit dans le Coran Donc en fait, l'être humain est fait de force du bien et de force du mal. Donc il est fait d'une tension euh, continue, euh, permanente entre le bien et le mal. Et euh, contrairement à la fausse philosophie de, des Lumières de Jean-Jacques Rousseau, qui affirme avec ignorance que l'homme est bon par nature et que la société est le Coran, euh, ben non, l'homme il est fait euh, de deux forces, le bien et le mal, et il y a des moments dans l'histoire où la part du mal l'emporte sur la part du bien. Alors donc ces histoires qui sont racontées dans la sourate de la Lune, ce sont des apologues donc qui apportent une vérité universelle. Et qui fait référence à l'état du monde d'aujourd'hui. Euh, dans cette sourate, Allah parle à la première personne. Franchement, moi, en lisant cette sourate, euh, elle, a, elle m'a donné une émotion forte. Euh, J'étais troublée euh, jusqu'au fond de ma conscience. Euh, C'est Allah qui parle à la première personne. Hein. Il s'indigne de l'entêtement et de l'arrogance des hommes tous ceux qui avaient été avertis et qui se sont moqués des prophètes et des messagers à travers l'histoire. Donc, euh, on pourrait conclure que, ou bien on pourrait déduire que l'année 2017 annonce que la colère de Dieu ne va pas tarder d'intervenir dans ce monde matérialiste et, euh, et immonde, car les hommes sont, très, sont tellement aveugles, omnipotents, arrogants, et euh, parce que l'injustice devient trop insupportable et que le monde est pris en tenaille entre la force du bien et la force du mal. Alors, euh, cette sourate parle de Noé, de déluge qui va frapper la mo donc, euh, le monde. Et ce déluge, euh, les images sont très frappantes. Hein, donc, Allah insiste sur le déluge les ravages entraînés par un déluge inimaginable, ineffable. Et vous savez, le déluge, ça ne sera pas un tsunami, ça sera, euh, en fait, dans le Coran, le déluge est fait euh, d'eau douce. Donc c'est l'eau douce qui va envahir euh, la Terre. Euh, et bien sûr, euh, comment cette eau douce va envahir la Terre, ben, je vous laisse imaginer l'histoire du, du pôle Nord. Du pôle Nord et euh, le réchauffement de la planète qui est en train de désagréger euh, le pôle Nord. Et euh, récemment, il y a eu même un pont du pôle Nord qui s'est détaché, qui fait euh, la, le volume d'un pays entier. Euh, et euh, on a peur de, des conséquences. Donc du coup, euh, ce déluge va avoir lieu. Et bien sûr, les, les, les régions les plus exposées, c'est l'Europe. C'est l'Europe euh, et l'Amérique du Nord. Euh, c'est probable en tout cas. Hein, donc euh, je ne vais pas être l'oiseau de malheur qui annonce des, des catastrophes, mais c'est possible. Hein, logiquement, c'est possible. Donc comme je vous ai dit, euh, la sourate La Lune commence par une phrase très frappante qui veut dire l'heure approche et la lune s'est fendue donc toute la sourate développe des images de la fin du monde de la colère de dieu qui s'abat sur le monde mécréant, sur tous ceux qui se moquaient de la religion de toutes sortes de croyances donc vous avez des images spectaculaires on dirait un, un film euh, un film de la fin du monde euh, donc vous avez les déluges de Noé, la foudre qui frappe le monde de Sodome et Gomorre, le peuple de Lot, euh, les peuples qui pratiquent la sodomie. Mais vous allez me dire, euh, vous pouvez me poser la question, mais quel rapport entre la fin du monde et la lune Quel lien secret entre les deux Alors la fin du monde est liée au, au, au calendrier lunaire. Donc il ne faut plus calculer par le calendrier grégorien. Euh, le secret est à chercher dans le calendrier lunaire alors dieu l'a dit dans le coran hein, comme dieu a parlé donc euh, il a dit dans, dans la sourate de yonès donc il dit il faut calculer euh, le temps avec le calendrier lunaire pour euh, pour s'attendre à la fin du monde. Alors, c'est lui. Alors, je, je, je vous cite un extrait de la, lune, de la surate de Younes. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل آيات لقوم يعلمون Donc, celui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Donc, en fait, le mois lunaire est calculé sur le nombre des tours de la lune autour d'elle, même pendant, donc, pendant 27 jours plus 2 jours, où la lune et le soleil et la terre se trouvent sur le même plan. Donc, en fait, le mois lunaire est composé de 29 jours plus... Euh, oui, 27 jours plus 2 jours. Donc, ça fait 29 jours. Alors, tout au long de la Sourate, la Lune, Dieu, comme je vous ai dit, parle à la première personne et euh, il avertit et il rappelle, il rappelle dans la Sourate quatre fois cette phrase. Donc, il y a un refrain de, de, dans cette Sourate, cette phrase qui revient quatre fois. Je vous, donc, je vous la cite. Donc, je traduis. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Ça veut dire, et nous avons laissé... Alors, je reprends la traduction. Et nous laissâmes le Coran comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir Et cette phrase, elle est euh, répétée euh, quatre fois dans la sourate. Et nous laissâmes le Coran comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir Donc, effectivement... Très peu de gens font l'effort de réfléchir aujourd'hui. Hein? Donc, euh, il devient, il devient très, difficile, euh, très, euh, euh, très difficile pour les jeunes, surtout, de réfléchir. La réflexion devient un effort exceptionnel dans une société consumériste, une société qui cherche la jouissance. Ensuite, euh, Allah évoque le déluge et décrit la nature de l'eau du déluge. Alors donc comme je vous ai dit, ce n'est pas l'eau de mer, c'est de l'eau douce hein, qui sort des entrailles de la terre. Euh, et bien sûr, là, cette eau douce ne pourrait sortir que du pôle Nord. Euh, alors là, je vous cite euh, euh, Je vous cite donc euh, l'histoire de Noé. Euh, alors avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent C'est un possédé. Il fut repoussé, il invoqua donc son Seigneur. Moi je suis vaincu, fais triompher ta cause. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle, et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent, d'après un ordre qui était déjà décrété, dans une chose faite. Donc, l'eau, elle vient du ciel et elle vient de la terre. Et euh, dans la surate Hood, on trouve des images euh, ressemblantes. Euh, on voit les, les vagues de l'eau euh, qui ont la taille de montagne. Donc, en fait, euh, ça ne sera pas une, une inondation euh, connue, euh, des images d'inondation connues du monde. Euh, ça sera vraiment des images. Euh, euh, spectaculaire avec des, des vagues de la taille de montagne. Et euh, là, je vous, je vous cite la surah de, de Houd. Et elle voga, donc là, on parle de la vague. Et elle voga en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche Oh mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Il répondit je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, tous périront sauf celui à qui il fait miséricorde. Donc vous voyez, il n'y a pas la possibilité de s'enfuir, il euh, n'y a pas la possibilité de, de trouver, euh, de, se, de se sauver de ce déluge. C'est un déluge euh, qui anéantira euh, toute la terre. Donc ce déluge va être accompagné par par une tempête très très violente, et une tempête glaciale, parce que le Coran il part d'une tempête glaciale, et bien sûr la tempête glaciale ne peut, être, ne peut venir que du pôle Nord. Euh, et ça je vous cite euh, je vous cite euh, le, le verset nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial ou un jour néfaste et interminable il arrachait les gens comme des souches de palmier déracinées. comment furent mon châtiment et mes avertissements alors je le dis en arabe Inna Ouais, donc, en fait, Dieu, il dit, comment furent mon châtiment et mes avertissements Alors, en fait, vous allez, euh, certains vont rétorquer, mais Dieu, il est cruel, euh, il, il, il se plaît à châtier les, le monde. Ben non, parce que Dieu, il dit, voyez mon châtiment et mes, et mes avertissements. Ça veut dire, mon châtiment vient comme conséquence comme euh, comme étape euh, qui euh, qui vient après mes mes avertissements donc je vous ai averti et vous n'avez pas écouté donc mon châtiment viendra suite à cette désobéissance donc comment furent mon châtiment mes mes, mes avertissements fakai fakai na adabi onodori ça veut dire que euh, le châtiment après l'avertissement sera encore et encore plus cruel plus dur puisque Puisque je vous ai euh, averti, je vous ai envoyé des messages, des messagers et vous n'avez pas suivi. Alors pour conclure, euh, ma lecture de la sourate La Lune. Euh, je l'ai faite euh, en croisant les informations données par la sourate avec les informations et les symboles présentés par euh, les, les cartes de tarot divinitoires de euh, l'économiste. Donc en fait, il y a quand même quelque chose qui intrigue, qui trouble, c'est la présence de la lune. Donc la lune, elle est présente presque dans toutes les cartes euh, de l'économiste, que ce soit sur la carte The World, euh, la carte... Euh, la carte de l'ermite euh, et la carte euh, du tower euh, donc on a en fait on a on a et la carte aussi euh, du pouvoir donc on a un point un point rouge parfois il est jaune parfois il est blanc donc c'est intrigant donc la présence de la lune euh, cette force rouge cette force euh, cette force euh, du ciel euh, elle est elle est très très présente sur les cartes et, euh, euh, et aussi en fait euh, dans la lecture dans ma lecture de la Sourate de la lune euh, la fin du monde liée, serait liée donc je ne veux pas confirmer donc la fin du monde serait liée à un événement extraordinaire au niveau de la Lune euh, un autre détail qui est très présent hein, dans les cartes, c'est la présence des vagues. Donc, on, euh, on voit des vagues de toutes les couleurs, donc les vagues en blanc, les vagues en rouge. Euh, et ça, c'est très intriguant. Hein. Donc, en fait, vous avez deux points euh, qui sont très présents c'est euh, la lune. Euh, l'astre, euh, donc de toute façon un astre qui pourrait être la lune ou bien le soleil, et vous avez euh, les vagues qui sont très très présentes sur toutes les cartes, et cela aussi c'est très intrigant et qui va avoir des effets sur la planète. Voilà, donc je vous laisse, j'espère que mon analyse vous a plu, cette lecture comparée vous a plu, et si vous avez des remarques, bien sûr, vous les faites en commentaire, donc les commentaires sont ouverts à tout le monde. Bien sûr, je, je retiens les commentaires constructifs et euh, tous les gens qui, euh, qui ont un petit esprit, qui cherchent à insulter ou bien qui cherchent... À, à, donc à, à discréditer les personnes qui travaillent, euh, bah, ces gens-là, leurs commentaires seront supprimés. Voilà, je vous remercie beaucoup et euh, Inch'Allah, à la prochaine vidéo avec Amel Benz Chanel.